Alors d'abord, il faut rappeler que l'alcool est le produit psychoactif le plus consommé dans la quasi-totalité des pays européens. Tout particulièrement en France, ça correspond à une pratique de sociabilité, à des styles de vie, y compris parmi les plus jeunes. Rares sont ceux qui n'ont jamais expérimenté l'alcool, qui est majoritairement associé à une image positive, à la convivialité, à la fête, etc. Par ailleurs, c'est aussi une filière économique importante, ce qui n'est pas négligeable. Alors, sans être une spécificité française à proprement parler, ce qui mérite une attention particulière, c'est la situation des jeunes au regard de l'alcool. Par rapport aux générations précédentes, qui étaient plus souvent dans une consommation plus quotidienne, mais modérée, les jeunes d'aujourd'hui se tournent davantage vers des consommations importantes et ponctuelles. Ce qui en fait un mode d'alcoolisation qui fait ressembler la France aux pays du nord de l'Europe plus qu'à ceux du sud dont elle était auparavant plus proche. En matière d'usage régulier, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la France a une des prévalences les plus élevées en Europe. Et en termes de consommation quotidienne, elle est dans les 10 pays européens les plus consommateurs.